Shalom bien-aimés dans le Seigneur, comme cela a été promis, nous sommes là dans la présence du Seigneur. Je vous avais dit que le Seigneur avait mis un fardeau dans nos cœurs pour que nous ayons le temps de faire la prière ensemble avec vous. Je veux que là où vous êtes, que vous vous réunissez avec votre famille, c'est-à-dire que rassemblez les enfants, rassemblez toute la famille, nous voulons aller dans la présence du Seigneur, aller dans la présence du Seigneur, reconnaître sa grâce, sa faveur, sa miséricorde pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue à faire dans notre vie. Je vous ai dit que le monde traverse des moments très difficiles et les temps que le monde traverse aujourd'hui, les saints sont touchés, les enfants de Dieu sont touchés dans le monde entier. Alors continuez à fermer nos bouches, continuez à suivre seulement les informations. Subir tout ce que nous subissons aujourd'hui dans le monde, c'est un grand danger, d'autant plus que le maître avait dit que son église marchera sur la terre, mais les portes de séjour des morts ne prouveront jamais contre son église. Alors l'église est encore sur la terre, pourquoi toutes ces difficultés? Oui, c'est vrai, dans le livre de Daniel chapitre 7 verset 25, l'ange était clair que la corne espérera changer les temps et la loi, la corne opprimera le sein du Très-Haut. Mais les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié du temps. Mais parce que ce temps n'est pas encore là, les saints ne peuvent pas être livrés entre les mains de l'ennemi. Et le Seigneur avait dit autrefois que quand vous allez voir ces choses, ces tremblements de terre, des pestes, des famines, tournez vos regards vers le ciel. Et aujourd'hui, pour nous, le ciel, ce n'est pas le ciel comme ça, mais pour nous, le ciel, c'est l'habitation de Dieu, c'est la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous avais demandé qu'aujourd'hui, nous devons avoir une heure du temps dans la présence du Seigneur, parce qu'on a des occupations, mais restons dans la présence du Seigneur, nous allons les remercier, nous allons prier et recommander ce temps entre les mains du Seigneur, parce que nous voulons avoir un peu le temps d'intercession. En tout cas, je ne sais pas là où vous êtes partout. Je sais que les hommes suivent aux États-Unis d'Amérique, Europe, Australie, Asie, par-ci, par-là. Les enfants de Dieu sont touchés. Les maîtres avaient dit l'iniquité sera accrue. On n'a pas besoin de se poser des questions. L'origine du coronavirus, ça nous importe peu. Mais nos yeux sont tournés vers la parole. Nos yeux sont tournés vers la parole. Et nous voulons, avant de recevoir une petite exhortation, retourner dans la présence du Seigneur. Et remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. Et après cela, nous aurons un petit temps d'exhortation. Après ce temps d'exhortation, nous allons prier. Nous allons prier pour tous les saints dans le monde. Nous allons prier pour la foi des enfants de Dieu qui sont ébranlés. Les uns ne se réunissent plus dans des lieux de culte. Les lieux de culte sont fermés. Et on souffre, les uns ont perdu, les autres ont perdu leurs emplois et les choses deviennent difficiles. Les enfants de Dieu vivent aujourd'hui dans des questions, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Alors, nous n'allons pas fermer nos bouches, nous devons remercier le Seigneur et demander sa force parce que c'est le temps où l'Église doit rester dans sa présence, demander. Voilà pourquoi je vous ai dit de rassembler votre famille, c'est-à-dire que votre foyer, les enfants, maman, papa, les gens qui habitent dans votre maison, nous voulons prier, nous voulons nous recommander entre les mains du Seigneur. Et maintenant, nous allons remercier le Seigneur, maître des temps et des circonstances, parce qu'il nous a donné le temps. Il nous a donné le temps de nous approcher de lui. Nous allons les remercier pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Merci.
hommes de nous t'exaltons pour que tes enfants, incomparables, insondables, inchangeables, le Dieu d'autrefois, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Sois loué, sois exalté, sois glorifié, sois magnifié, sois béni, Dieu de toutes les peuples. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu as fait pour la vie. Merci Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci Jésus de Nazareth. Merci de tout ce que tu as fait pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci au champ de Chachara. Merci de tout ce que tu as fait pour la vie. Merci au champ de Chachara. Merci de tout ce que tu as fait pour la vie. Seigneur, merci, merci parce que tu nous as agréés devant ton trône de grâce à travers l'offrande de ton Fils manifesté à la croix de Golgotha, à travers le sang qui était versé pour que nous soyons rachetés. Merci parce que les saints rassemblés dans ce monde entier, nous sommes ensemble, Seigneur, nous croyons comme autrefois tu avais exaucé Abraham alors qu'il intercédait pour Lot. Je crois que tu es capable de nous exaucer ensemble avec les saints dans le monde entier. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, je crois que nous sommes là. Comme je vous avais dit,
Aujourd'hui, nous voulons avoir un peu le temps de prier, prier pour cette circonstance. Je sais que tu as eu le temps de prier et dans ta famille, mais aujourd'hui, nous voulons un peu nous rassembler, comme le bien-aimé Paul avait dit aux Romains. Il avait dit de combattre ensemble avec lui dans la prière. Nous croyons que la prière, c'est le combat. Et nous voulons combattre, nous voulons rester dans la présence du Seigneur. Comme les saints ne peuvent pas prier sans que la parole soit le soubassement. Vous vous souvenez du prophète Moïse, pendant qu'il priait, ses mains se fatiguaient, il était lassé, il a fallu que les rochers soient placés pour que Moïse soit capable de bien prier. Et pour nous, les rochers, aujourd'hui, c'est la parole. Je veux vous rappeler que les rochers, pour nous, c'est la parole. La pierre, c'est la parole. C'est sur cette parole que nous voulons nous asseoir pour prier. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 10, le texte dit ceci. Daniel, chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. J'aimerais que vous reteniez ça très bien. Les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Je prie cette portion de l'écriture pour nous exhorter dans quelques minutes parce que nous voulons plus savoir le temps de la prière. Daniel se trouvait dans le pays étranger, dans le pays de Babylone. Et un décret était lancé, les rois avaient déjà signé, que personne ne prierait un autre Dieu. Personne ne peut s'adresser à une autre divinité à l'exception du roi. Mais cela était comme une persécution pour le prophète Daniel, qui était déjà enseigné que pour lui, les Juifs l'adoraient. Jéhovah ou Yahweh, qui a fait sortir ses pères de l'Égypte. Et c'est une persécution pour le prophète Daniel. Mais j'aime ce qu'il a fait, c'est ce que je vais vous demander quand je fasse aujourd'hui. Le texte dit, Daniel se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Comment les fenêtres de la maison de Daniel se dirigeaient vers Jérusalem, s'étaient tournées vers Jérusalem? C'est-à-dire, là où Daniel était, il pouvait être éloigné de sa ville, de son pays, mais il avait la promesse. Quelle était la promesse? 1 Roi chapitre 8 nous répond. 1 Roi chapitre 8 nous répond. Je suis dans le verset 33 pour la meilleure compréhension. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir